الصوت من عندك انت. بخير من الكل، بونجور تو لومون، عماد مندلسي، ديريكتور دو لينيرجي ايرليان اد لابيلوماس، اجونس ناسيونال بور لا ماتريس دو لينيرجي. Alors, on est jeudi, et comme tous les jeudis, on a un webinaire. Le webinaire de cette semaine est autour de la biométhanisation au cours du biogaz. Donc, on aura pour le programme, je présenterai le biogaz et l'activité de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie dans ce domaine. Et puis, je céderai la parole à M. Patrice Renard, un expert français dans le biogaz. Il va nous présenter une étude faite au profit de la commune de Derbe. Et puis, il y aura M. Mohamed Machat de l'ANZET, l'Agence nationale pour la gestion des déchets. Il va nous présenter le portefeuille en déchets. Sur de chez Métanisa, c'est-à-dire après la biométhanisation. Donc, je vais commencer sans tarder, je vais commencer par ma présentation de biogaz. Donc, qu'est-ce que le biogaz? Donc, qu'est-ce que la fermentation méthanique? Donc, la fermentation méthanique est un phénomène de dégradation des substances organiques. Quand la fermentation se déroule en présence de l'air, on la qualifie d'aérobie. Le mot aéro, c'est-à-dire il provient de l'air. Un exemple bien connu, bien sûr, le compostage. Donc, les déchets organiques mis sous forme d'engrais ou de terre à l'air libre se compostent. Ce compost, donc, devient du compost. Après quelques temps, il devient du compost. En absence de l'air, donc en absence d'oxygène, la fermentation est dite anaérobie. On parle alors de méthanisation, c'est-à-dire quand la fermentation se déroule dans une enceinte fermée ou dans un lieu où il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de l'oxygène, cette fermentation est dite, dite méthanisation ou biométhanisation, le mot bio, parce qu'il y a des organismes. Des bactéries qui font ce travail, qui font cette dégradation. Et le résultat est un dégagement de gaz composé essentiellement de méthane. Donc, cette fermentation naturelle ou contrôlée, elle met en jeu, comme vous le disiez, des bactéries qui contribuent à produire notamment du méthane, du gaz carbonique et de l'hydrogène sulfuré. Cet hydrogène sulfuré, il est responsable de ces mauvaises odeurs qu'on sent quand on est en présence d'ordures ménagères en pression ou de la matière organique. Donc, c'est aussi l'odeur d'odeur pourrie. En pratique, on peut rendre la fermentation efficace à 95% à l'aide de méthaniseurs, c'est-à-dire des enceintes fermées dans lesquelles les déchets sont homogénéisés mécaniquement et ensemencés avec des micro-organismes appropriés, c'est-à-dire on cherche dans la nature, ça existe, des bactéries méthanogènes. Donc, et on ensemence notre déchet avec ces bactéries méthanogènes pour accélérer cette fermentation. Donc, qu'appelle-t-on biogaz et quelles sont ses caractéristiques? Donc, le biogaz est un gaz combustible mélange de méthane et de gaz carbonique essentiellement, c'est-à-dire 99% c'est ces deux gaz.
additionnée à quelques autres composants. Le préfixe bio indique sa provenance, c'est-à-dire c'est des matières organiques, donc c'est des restes animaux ou végétaux, qui libèrent de biogaz lors de leur décomposition, selon un processus de fermentation. Le biogaz se nomme encore gaz de marée, au sein duquel se décomposent des matières végétales et animales. Gaz de marée, parce que la première fois qu'on a découvert le biogaz, c'était dans les marées. C'était le savant Volta, en 1776, quelque chose comme ça. Il a donc découvert que les marées dégagent un gaz, et c'est un gaz, le gaz est inflammable. Il l'a appelé gaz de marée. Donc, c'est également, aujourd'hui, on l'appelle communément du biogaz, et il se produit d'une manière spontanée dans les décharges non contrôlées, par exemple, si on parle de la nature. Donc, à température et à pression ambiante, le biogaz se présente sous forme gazeuse. Chimiquement, il se compose principalement de méthane, environ de 2 tiers de l'ensemble, et 1 tiers de gaz carbonique. D'autres substances sont aussi présentes sous forme de traces, telles que l'eau, l'azote, le soufre, l'oxygène, l'hydrogène aussi, les éléments organohalogénés, qui le rendent moins pur et plus corrosif que le gaz naturel fossile. Enfin, la composition du biogaz varie en fonction de la nature des déchets et des conditions de la fermentation. Où est-il produit, ce biogaz? Bon, il est produit dans tous les endroits où sont stockés et accumulés des déchets fermentescibles, totalement ou partiellement privés d'aération continue, c'est-à-dire mal aérés ou totalement absence d'air. Il s'agit par exemple des centres de stockage des déchets, les décharges, les stations d'épuration des eaux, la production du boue, et les digesteurs à fermentation des déchets organiques. Ces derniers, appelés aussi méthaniseurs. Et vous voyez ici les deux photos, une première photo de décharge, la deuxième photo de méthaniseur. Donc, ces méthaniseurs valorisent les déchets organiques triés et les effluents agricoles, par exemple les déchets d'éjection animale, ou ceux des industries agroalimentaires et papetières. Les méthaniseurs sont installés la plupart du temps sur les sites même de production des effluents ou bon. Par exemple, dans une ferme agricole, on peut installer un méthaniseur pour traiter les déjections animales. Comment récupérer le biogaz des décharges? Donc, dans les décharges, appelés centres de stockage des déchets, les ordures sont compactées et sont déposées dans des fosses dites casiers. Donc, bien sûr, elles sont déposées sous forme de couches. Une couche de déchets recouverte d'une couche de terre, puis une couche de déchets comme un linceul. Donc, le biogaz, la fermentation se produit en sous-sol durant 25 ans, c'est-à-dire quand on ferme un casier, le processus de fermentation il continue à se dérouler pendant 25 ans. Et le casier, pendant 25 ans, il continue à dégager du biogaz. Donc, le biogaz formé, il est capté en continu par un système de draps horizontaux enterrés depuis et depuis verticaux. Donc, comme vous voyez dans cette image, on fait un réseau de captage. On appelle ça un réseau de captage du biogaz. Pour une meilleure maîtrise de la production du biogaz, un nouveau concept de bioréacteur consiste à produire du gaz dans des casiers étanches, avec l'injection de lixiviaire. Bien sûr, dans un casier, quand on met des ordures ménagères fraîches, il y a des vues de déchets qui se libèrent, et on fait un drap, ici en bleu, pour récupérer ces vues, qu'on appelle aussi lixiviaire. Donc, il suffit de réensemencer le casier avec le lixiviaire produit parce qu'il contient beaucoup de bactéries méthanogènes, donc on accélère la fermentation méthanique de cette façon. Donc, après une vingtaine d'années d'exploitation,
Ces centres de stockage et de décharge sont réhabilités avec, bien sûr, un aménagement paysager. C'est-à-dire, on ne fait pas de construction casier. Combien d'hectares d'énergie du biogaz? L'énergie du biogaz, elle provient de son principal composant, le méthane, le CH4. Donc, on voit que le PCI du méthane, c'est-à-dire la quantité de chaleur produite par la combustion du méthane, est de 9,42 kWh par mètre cube à 15 degrés Celsius, et pour une pression atmosphérique normale. Donc, selon les filières de production et les matières organiques utilisées, la proportion du méthane varie. Un biogaz, par exemple, à 65% de méthane, présentera donc un PCI de 9,42 moins 0,65, soit 6,1 kWh par mètre cube. Donc, par comparaison, le gaz naturel est constitué de 86% de méthane. Avec un processus optimisé, environ 500 mètres cubes de biogaz sont extraits par dose de matière organique traitée. Ça, je vais donner à titre d'exemple, bien sûr. Ce chiffre varie suivant les déchets. Il y a des déchets à pouvoir méthanogène plus importants, il y a des déchets moins importants. Donc, j'ai terminé par la première partie qui est à dire que l'émission concernant le biogaz et la fermentation méthanique. La deuxième partie elle est consacrée à la finie, en réalisation déjà faite, c'est-à-dire de la biométhanisation en finie. La biométhanisation, elle a commencé vers les années 60 avec un digesteur dans une station d'épuration à la Chardière. Il faisait 4000 mètres cubes. Et puis, depuis sa création, l'Agence nationale pour l'emploi de l'énergie, dans les années 80, elle a lancé un programme pour construire 50 digesteurs ruraux dans le nord-ouest, exactement à la région de Sévenay. Ces méthaniseurs ou ces digesteurs ruraux, leur volume varie entre 5 et 25 mètres cubes. Le projet a été lancé pour valoriser les déchets animaux des fermes agricoles et fournir une source d'énergie dans les zones non connectées au réseau de la SEC pour l'éclairage de la puissance. Je m'explique. La fin des années 80, dans la région de Sévenay, il y avait des zones qui n'ont pas d'accès à l'énergie. Des zones, bien sûr, rurales, qui n'ont pas d'accès à l'énergie. Et n'ont pas accès à l'électricité et aux bouteilles de gaz. Donc, l'agence a pensé à construire donc, au profit de ces familles des petits digesteurs de 5 à 25 mètres cubes pour leur fournir une source d'énergie pour l'éclairage et la cuisson. Malheureusement, dès que ces zones, dès que le réseau électrique est arrivé à ces zones, ces paysans ont arrêté d'exploiter leur digestion. Mais quand même, c'était une bonne expérience qui nous a beaucoup enseigné. La deuxième réalisation pour l'agence, pour la NME, c'était le projet pilote de production de biogaz à partir des plantes de volaille Hammensis. Ce projet est entré en production en juillet 2000. Donc, il a été construit dans le cadre de coopération avec la République populaire de Chine. Le volume du gesteur que vous voyez ici en noir est de 300 mètres cubes. Et dans cette station, on traite 4 tonnes de fientes de volaille par jour pour en produire 120, à peu près 120 mètres cubes de biogaz. Bon, 120 mètres cubes, c'est peu, mais parce que le digesteur n'était pas suffisant. Il fonctionne
à la température ambiante. C'est-à-dire, pendant l'hiver, par exemple, la température est de l'ordre dans le digesteur, de l'ordre de 18 à 20 degrés, la production est vraiment très basse. Pour ce qui est réalisation en Tunisie d'une façon générale, il y a eu la réalisation d'un projet de production de biogaz à la station de traitement des eaux usées de Chatral 2 pour traiter 42,7 tonnes par jour de boues provenant du traitement de 111 000 mètres cubes d'eau usée. On produisait 15 000 mètres cubes de biogaz par jour, qui sont transformés en 15 000 kWh électriques par jour. Cette production électrique est satisfait à peine 7,8% des besoins de la station en énergie électrique. Donc, vous montrez combien ces stations d'épuration sont énergivores. Le troisième projet, si on peut dire, ou quatrième projet à l'échelle industrielle, c'est le projet du Sofimage. Lancé en 2006 à peu près. Donc, c'est à la société tunisienne de marché de gros de Qassam, qui à l'époque générait 25 tonnes de déchets organiques sur son site. Ces déchets étaient stockés et transportés vers la décharge contrôlée des vallées Chatir, ce qui était vraiment un gâchis, avec tout ce qui émane comme. Économiquement, c'est-à-dire les pertes économiques, parce que là, il faut payer le transport, il faut payer la décharge, etc. Donc, là, c'est là que Sofimage a pensé à faire un projet de méthanisation. Le digesteur, il était d'un volume de 1200 mètres cubes. L'unité de cogénération qui va transformer donc, le biogaz dans l'électricité et la chaleur. Elle était d'une puissance de 130 kW avec un rendement électrique de 35% et un rendement thermique de 52%. La chaleur produite est récupérée à travers une série de chargeurs thermiques. Et cette chaleur était utilisée dans un premier temps pour chauffer le digesteur qui fonctionnait à 36 degrés. Donc, l'énergie électrique produite par l'unité de valorisation énergétique des déchets couvrait environ 29% des besoins énergétiques de la société du marché de gros, soit à l'époque une économie annuelle de 380 000 kWh, l'équivalent de 108 tonnes. Donc, pour encourager les prix des sociétés à faire du biogaz, l'Agence nationale pour l'emprise de l'énergie a mis en place des incitations financières. En effet, pour les études de faisabilité, on accorde une prime à une hauteur de 70% du coût de l'étude. La famille à 30 000 dinars. Et pour ce qui est investissement matériel, on accorde une prime de 30%, plafonnée à 50 000 dinars, et aussi la possibilité d'octroyer donc à travers le fonds de transition énergétique. Un crédit de 100 000 dinars. Pour ce qui est des projets en cours maintenant, donc actuellement, on est en train de faire une étude pour élaborer trois études de prévisibilité technico-économique de biométhanisation et d'un cadre tarifaire pour l'injection du biométhane dans le réseau du gaz naturel et de l'électricité produite par le biogaz, par la cogénération du biogaz dans le réseau électrique. Les trois études de prévisibilité concernent une ferme d'élevage bovin de l'OPD, la société Lohom, les abattoirs de la société Lohom à Tunis, et la valorisation du biogaz
la décharge de Chétif. On a aussi signé une convention avec, de coopération avec l'ANGED pour développer le biogaz d'une façon générale dans toutes les décharges contrôlées de l'ANGED et pour aussi valoriser les ordures ménagères dans les communes par cette technique de biométhanisation. On a aussi un projet en cours, par exemple, dans ce même sens, avec la municipalité de Hammam Sousse. On est en train de faire une étude de faisabilité d'une unité de traitement des déchets ménagers et assimilés par l'organisation de la municipalité de Hammam Sousse. Donc, les déchets collectés sont de l'ordre de 30 000 tonnes par an. Ainsi, j'aurais terminé mon intervention. Donc, merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole à M. Mohamed Machat. Je pense que M. Patrice n'a pas encore rejoint. Donc, je passe la parole à M. Mohamed Machat pour présenter l'activité de l'ANGED. Merci. Je vous remercie, Monsieur Ahmed, pour cette fructueuse présentation. Elle est très riche. Vous avez tout dit pour la conception totale de production de biogaz comme introduction générale. Et je vous remercie pour Merci. votre intervention. Merci. Oui, tout de suite. Partage. Vous voyez la présentation, non? Oui, ça va. Il faut mettre le plein écran. Oui. Plein écran. En cours. Sinon, ok, c'est bon. OK. On voit le plein écran, c'est bon. Allez-y. Voilà. OK. Bonjour à tous. Bonjour, c'est Ahmed. Bonjour, Madame Amal. On va vous présenter le projet de biogaz au sein de l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANGED, en vue de la valorisation énergétique du biogaz issu des décharges contrôlées. Depuis quelques décennies, la Tunisie a mis en place plusieurs programmes de gestion des déchets solides, ainsi le programme de gestion durable des déchets ménagers, le PGDDM. A constitué un tournant important dans la gestion des déchets. En effet, un tel projet a permis d'avoir une vision plus globale sur l'issue des déchets avec la mise en décharge comme pilier de ce programme. Afin de développer les unités d'extraction de biogaz des décharges. Pour le traitement des gaz des décharges contrôlés, dans le programme MDP-LFG, le mécanisme de développement propre protocole de Kyoto, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la CNUC, le gouvernement tunisien a conclu deux contrats de vente de certificats de réduction des émissions avec la Banque mondiale, ouvrant le compte au fonds de carbone italien. Les deux projets enregistrés pour la Tunisie sont pour le grand projet, c'est la décharge contrôlée de Jbel Chakir et les 7 décharges contrôlées telles que Bizerte, Sousse, Monastir, Sfax, Guebs, Djerba et Medni. Le début de ce contrat a commencé à partir du 10 avril 2006. Période de contrat elle est étalée sur 10 ans. Depuis 2009 jusqu'à 2018, les quantités des gaz sont à l'ordre de 1 208 000 tonnes CO2.
pour la décharge contrôlée de la de Bor Shakir et 550 000 tonnes CO2 pour les autres décharges contrôlées de Bizer, Sousse, Moustir, Sfax, Gebs, Gerba et Midni. Pour la première période de vente des fonds carbone, le prix était à 7 dollars la tonne. Cette période était entre 2009 et 2012. Après, après une négociation avec la Banque mondiale et l'augmentation des prix d'achat mondial, le prix était augmenté à 11 dollars par tonne équivalent CO2 pour la période de 2013 jusqu'à 2018. Pour la destination de revenus, elle est dédiée pour le financement des projets de développement durable et la compensation des crédits octroyés pour faire des investissements nécessaires pour les extensions des réseaux de biogaz et la mise en place des nouveaux systèmes d'extraction d'autres décharges contrôlées telles que Nebel et Kérouan qui sont en cours d'exécution. On va vous montrer la conception générale d'une décharge, tout ce qui est le constituant d'une décharge, que les bâtiments administratifs, tels que pont bascule, le casier de construction, casier d'exploitation, les bassins de récupération des eaux de pluie, le collecte et le traitement des lixivias, le captage et valorisation de biogaz, les aménagements finaux du casier et suivi de long terme. Finalement, le monitoring environnemental qui sera fait pour la fermeture finale des charges et l'intégration paysagère au milieu naturel par la mise en place des plantes et des arbustes afin de l'intégrer au milieu naturel. Comme vous voyez, les installations qui sont mises sur les décharges contrôlées, les torchères, le réseau de biogaz étalé sur les casiers, les instruments de mesure de contrôle de la qualité de la production de biogaz afin de bien surveiller et contrôler les quantités, la qualité de biogaz afin de réduire les émissions des gaz à effet de serre qui sont émis par les dégagements de CH4 des décharges. Les quantités évitées en tonnes équivalent CO2 de décharge de Jbal Shakir, c'est entre 121 650 pour la période de novembre 2008 jusqu'à 2010 et 63 000 tonnes équivalent CO2 pour la période 2011 jusqu'à 2012. Et elle était augmentée une autre fois pour la période 2012 jusqu'à 2014 à 118 000 suite à l'extension du réseau existant. Comme vous savez, la quantité de biogaz au niveau des décharges contrôlées prend une allure décroissante au cours du temps. C'est pour cela la variation des quantités. Et vous voyez aussi pour les autres sites de décharge, pour Bizer, Tissous, Mestir, Sfax, Gabès, Gerba, Midnin, les quantités sont moins importantes que la décharge contrôlée de Jbel Shakir, mais en termes global, ça sera un cumul important. Entre la période 2012 jusqu'à 2013, qui s'étale de 27 800 tonnes équivalent CO2 jusqu'à 32 000 tonnes équivalent CO2.
Le contrat de vente des gaz à effet de serre pour le des gaz à effet de serre avec la Banque mondiale a permis des revenus pour le projet MDP qui sont importantes que comme vous voyez donc à 464 millions de dinars 464 millions de dinars jusqu'à 2 millions 200 de dinars pour la période entre 2010 et 2016. Et vous voyez, les revenus augmentent en alternance avec l'augmentation de la capacité des décharges. Ainsi, vous voyez les quantités de production de biogaz pour la décharge contrôlée de Jbel Chakir, qui sont des quantités importantes. On parle d'une moyenne de 9 millions de tonnes d'équivalent CO2 de mètres cubes de biogaz par année. C'est un nombre important qui. Pour l'évaluation des perspectives des déchets de solides NDC bio, on a pour la ligne de base, le prolongement des mêmes pratiques d'enfouissement des déchets dans les décharges contrôlées, la poursuite des deux projets MDP de dégazage jusqu'à 2025, le scénario d'atténuation, le renforcement de recyclage et valorisation. Le maintien du système de dégazage existant avec valorisation énergétique, le traitement mécano-biologique, TMB simple, 50%, qui nous permet de réduire les quantités de déchets à 50% de déchets solides, le TMB puis production de RDF, nous permet de réduire de 50% des déchets solides. Le tableau suivant présente la synthèse des résultats des scénarios en ligne de base en termes d'émissions et aussi l'atténuation des émissions de déroulement des mesures envisagées. Comme les quantités de déchets entre 2010 et 2030, les émissions du scénario bas carbone en tonnes équivalent CO2 entre 2010 et 2721, jusqu'à 2030, qui sera à l'ordre de 4375. La contribution du secteur des résultats nationaux d'atténuation est une augmentation de entre 16% et 12% entre 2020 et 2030. On passe à la valorisation du biogaz qui sera l'opportunité souhaitée qu'on va l'adopter pour la nouvelle période. Les avantages cette technologie, c'est transformation d'une des problèmes des déchets, le gaz, en une source d'énergie. Le gaz est parfaitement adapté et très efficace pour la production d'énergie avec des moteurs à gaz. La réduction, voire élimination de méthane émis CH4, effet de serre, c'est en termes de 25 fois supérieur que le CO2. L'énergie renouvelable et économiquement viable comparé aux énergies conventionnelles. Ici, on vous présente un exemple pour la valorisation énergétique de biogaz en électricité. Vous voyez 1 million de tonnes de déchets produits sur un moment de gaz pour faire marcher un gaz de 1 MWh pendant 20 ans. Une tonne de déchets municipaux peut produire 150 000 mètres cubes
LFG. Mais pour le ici 40% à 50% de gaz qui est collecté égale à 100 mètres cubes de gaz. Pouvoir calorifique inférieur de moins 40, à 4,5 kWh par mètre cube normal. 1000 tonnes de déchets fois 100 mètres cubes nous donne 450 millions de kWh. En fin de compte, la capacité installée, c'est dans l'ordre de 1,027 kWh de capacité de production d'électricité. Merci de votre attention. Je vous remercie tout le monde. Merci pour cet exposé très clair. Donc, OK. OK. C'est bon. Bonjour, monsieur Patrice. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je n'avais pas mis mon micro. Bonjour à tous et toutes. Bonjour, monsieur Patrice. Pardon, j'ai dû décaler votre intervention. Maintenant, vous êtes le dernier intervenant, comme ça. Vous prenez tout votre temps. Et nous, okay. On profitera de plus de votre expérience. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. À vous la parole. Ok, je vais être assez court parce qu'en fait, donc actuellement, je suis dans une journée d'audit d'une entreprise de méthanisation. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de l'auditer par rapport à un label qualité qui a été mis en place en France qui s'appelle Calimeta. Qui permet aux entreprises, enfin au secteur de la méthanisation de s'améliorer en qualité pour une meilleure efficacité des projets. Donc j'ai jusqu'à 11 heures, donc il me reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour échanger, parler avec vous. Donc très rapidement. Prenez votre temps. Donc on a fait donc une avec le. Avec le PNUD et la commune de Oumsouk sur Djerba, on a fait une étude sur la méthanisation des déchets ménagers. Comme ça a déjà été expliqué précédemment, hein, j'ai pris la présentation en cours, mais effectivement, les déchets ménagers ont une capacité intéressante de production de méthane. Et qui dit méthane dit énergie. Vous connaissez ça, c'est ça. Assez bien en Tunisie, puisque vous extrayez du gaz naturel, qui est du méthane. La différence, c'est qu'on a du gaz renouvelable, hein, donc, et qui, lui, va pas, si on le valorise, qui produira pas de gaz à effet de serre. Donc, sur Djerba, on a fait une étude, on va dire, de faisabilité ou de préfaisabilité qui permet d'orienter vers. Principalement deux options ou deux projets qui pourraient être qui pourraient se suivre ou être parallèles. C'est un scénario d'une unité pilote de 3000 tonnes de déchets ménagers qui pourrait être. Pardon, monsieur Patrice. Pardon? Pardon. Est-ce que votre intervention sera seulement orale ou vous avez préparé une. Ah, j'ai pas. Non, non, j'ai pas eu le temps. Dans le temps imparti, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'avoir de présentation orale. Mais bon, à votre disposition hein, pour une autre fois là pour faire une présentation orale, mais voilà, j'ai été un peu pris. Oui, j'espère. Ouais. J'en suis convaincu. Voilà, quand même pour vous indiquer des grandes lignes. Donc on a étudié deux options. Une option de traitement de 3000 tonnes de déchets ménagers triés. On part de l'hypothèse que les déchets sont triés à la source. 3000 tonnes sur l'année, ça nous donne environ deux moteurs de 80 kilowatts. Donc, ça, on va produire 160 kilowatts électriques. Ce qu'on a envisagé, c'est une technologie dite de méthanisation par voie garage. C'est une méthanisation de type discontinue
C'est-à-dire qu'on met on met la matière dans des garages, on ferme les garages, on laisse méthaniser. Et quand la matière est méthanisée, on la ressort et on la remplace par de l'autre matière. Pour faire le parallèle avec la décharge, c'est comme si on avait des casiers, qu'on remplissait les casiers, et puis une fois qu'on a fini de méthaniser dans le casier, on vide le casier. Voilà. Donc là, on fait ça sur une donc vidage, remplissage d'un digesteur et vidage sur un cycle d'à peu près 25 à 30 jours. Tous les 25-30 jours, on vide un casier pour un garage pour le remplir avec de la matière fraîche. On a regardé cette technologie parce que bon, c'est une technologie assez facile à utiliser. Et en plus, vous avez des constructeurs de cette technologie en Tunisie. Donc, c'est un double intérêt, c'est-à-dire non seulement on produit de l'énergie renouvelable, et ça peut être une solution pour des petites quantités, et donc c'est duplicable sur d'autres secteurs en Tunisie ou donc sur des petites villes, on va dire, 3000 tonnes de matière organique, on doit pouvoir trouver ça sur des petites villes. Donc c'est vraiment duplicable un peu partout en Tunisie. Et le deuxième intérêt de cette technologie, c'est que ça permettrait de développer une technologie tunisienne. Voilà, la deuxième étude qu'on a faite, c'est de regarder la possibilité de traiter tous les déchets ménagers, enfin, toute la fraction organique des déchets ménagers sur l'île de Djerba, y compris en y ajoutant d'autres types de déchets comme des déchets d'abattoir. Donc, déchets d'abattoir, c'est essentiellement des matières stercoraires, c'est-à-dire les matières qu'on trouve dans les intestins des animaux. Donc, ça, c'est de la matière végétale. On pourrait aussi ajouter le sang. Et on a regardé aussi, on a intégré toutes les graisses collectées donc dans les bacs à graisse qui viennent des restaurants, donc les nombreux hôtels-restaurants qu'on a à Djerba, qu'on peut trouver aussi dans les hôpitaux, les collèges, les lycées. Et éventuellement, c'est des graisses qu'on peut aussi collecter dans les stations d'épuration. Donc, ces graisses, aujourd'hui, suivent un chemin à Djerba qui est pas très bien fléché. Alors, on espère que ça va dans le meilleur des cas, dans la décharge contrôlée, mais on n'est pas complètement sûr. Donc, d'où l'importance de travailler avec le secteur privé là, qui fait la collecte de ces graisses, de bac à graisse, et de les amener vers la méthanisation. Alors, on a rencontré une difficulté qui est peut-être pas sur Djerba et qui n'est pas forcément une difficulté qu'on va rencontrer ailleurs, c'est la saisonnalité des matières, puisqu'en fait, Djerba, c'est un secteur très touristique. Et on a une production de matières organiques, de déchets, des hôtels qui est très importante en saison haute, donc sur les périodes juin, juillet, août, septembre. Et donc, c'est une difficulté parce que ça oblige à augmenter les capacités des unités de méthanisation. Et donc, en fait, on se retrouve à surdimensionner les unités de méthanisation pour tenir compte de cette saisonnalité. Donc ça, c'est un sujet encore on va dire ouvert à discuter sur la façon dont on peut aborder ça. Une approche serait par exemple d'avoir une unité qui par exemple de 100 tonnes jour, cette unité de 100 tonnes jour, elle serait en surcapacité pendant quelques mois de l'année. Et par exemple, sur juillet-août, on ne pourrait pas forcément traiter tous les déchets organiques. Et dans ces cas-là, le petit excédent qu'on aurait, ça serait de l'ordre de 2-3 000 tonnes finalement qu'on aurait sur une période assez courte, hein, de 2-3 mois, pourrait aller en compostage. Donc là, c'est vraiment très spécifique à Djerba, ou en tout cas à toute zone touristique où il y a des personnes qui arrivent en nombre sur une période assez courte. De ces deux projets, enfin deux options que nous avons étudiées sur Djerba,
il ressort deux constats. C'est que aujourd'hui, le coût de traitement des ordures ménagères est trop bas pour une unité de méthanisation. C'est-à-dire que si on veut fonctionner avec un coût de traitement de la fraction fermentescible cible des ordures ménagères équivalent à celui des décharges, on n'arrive pas à obtenir une viabilité du projet. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter le coût de traitement de ces ordures ménagères. Voilà, donc globalement. Et aussi, donc par rapport au tarif d'achat de l'énergie. Donc, si on travaille avec le coût d'achat de l'énergie actuel, qui est possible uniquement en cogénération, là, c'est pareil, on n'arrive pas à obtenir la rentabilité du projet. Donc, le projet de Djerba, enfin, l'étude qu'on a faite, ouvre plutôt d'autres questions, enfin, ou d'autres débats sur ces tarifications à la fois de coût de traitement des déchets et de prix d'achat de l'énergie produite à partir du biogaz. Voilà, ça c'est un sujet ouvert. L'autre sujet qui a beaucoup aussi intéressé la STEG, c'est la possibilité de purifier le biogaz pour en faire du gaz méthane 100%, on va dire, ou 99%. Hein, c'est le présentateur précédent parlait effectivement sur les décharges d'utiliser le biogaz comme gaz carburant. Ça suppose d'épurer le biogaz pour avoir un gaz méthane pur. Donc là, c'est la même chose sur les unités de méthanisation. Donc, si on épurait le gaz, on pourrait produire bien sûr du gaz carburant, mais ce qui peut être intéressant, c'est d'injecter le gaz dans le réseau. Sur Djerba, il y a un réseau de gaz, donc c'est plutôt positif. Manque au niveau tunisien la possibilité effectivement légale d'injecter du biométhane dans le réseau national. Voilà très rapidement les sujets qu'on a abordés pendant cette étude. Il y a un rapport plus complet là qui est rédigé, qui est en cours de validation par le PNUD, qui pourra bien sûr vous être transmis. Si vous avez quelques questions, je peux répondre. Et sinon, voilà, je suis disponible par mail ou ultérieurement dans une autre visio. Merci infiniment, M. Patrice, pour cette intervention très claire sur le projet de méthanisation des déchets ménagers de Djerba. Merci, M. Mohamed Bachar. Ainsi s'achève notre webinaire. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci de laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à tous. Très bien. Au revoir. Très Au bien, revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt, Charles. Au revoir, c'est Ahmed. Au revoir, c'est Mohamed. Salam, salam. Ahmed.